Pas grand chose, hein. Comme Pokémon sur la route. C'est un étudiant, ça? Waouh! Ah, un petit cochon de lait! On a un petit cœur en rocher, ça vous intéresse. On va lui faire un petit feu follet. J'adore les Ferrero Rocher, c'est tellement bon. C'est quoi votre chocolat préféré, les gars? Dans le chat. Comment charbon blanc peut être brûlé? Ah non, c'est pas charbon blanc, pardon. Chocolat avec la menthe. Ah ouais, c'est trop bon ça. C'est hyper frais, c'est trop bon. Alors, lesquels? Ceux où t'as la menthe en, un peu en gelée blanche. Pourquoi t'as un gros naze, Valache Mécouille? Mais ça suffit de venir insulter les gens comme ça, range ta mère, toi! À se prendre un ban, celui-là! Tu sais, t'as les carrés là? Et à l'intérieur, c'est à la petite pâte blanche qui est mentée mais super fraîche. Je sais plus le nom de cela, mais juste quand tu prends la boîte, ça sent la menthe, c'est trop bon. M'envoyer Flipper. Le mec gratuit comme ça. Non, mais c'est plus de la gratuité là. Là, ce chocolat ou le chocolat, t'as voulu dire? Ce dont tu parles, mais non, elle est trop bon. Je peux pas comprendre, de toute façon. Reste avec tes chocolats de pauvre là. Je peux pas comprendre. C'est quoi ton chocolat préféré du week-end? Je ne peux pas comprendre car c'est dégueu. Kinder Bueno! Tous les jours. Il aime que le fromage. Kinder Bueno, j'avoue. Alors, les Kinder Bueno Delice ou les Kinder Bueno White? T'en as trois différents. En vrai, ils sont tous bons, mais les Kinder Bueno classiques sont les meilleurs. Ouais, je sais, il dort, mais il va peut-être se réveiller, non? T'aimes pas le fromage? Le Bueno de base, moi. Ouais, le Bueno de base est trop bon, j'avoue. Mais le White est bon aussi, quand même. Le white quand même est pas mal. Mais le base, c'est... De toute façon, t'es basique, c'est normal. Bah ouais. Pas magique, je suis unique, c'est pas pareil.
Oh. Encore une insulte gratuite là. On va se calmer le fesse de paix. Basiquement unique. Ah, y a le l'éléphant machin. Quoi, c'est un dunaja, je crois, c'est ça. Ouais, pourquoi je peux pas rentrer dans la grotte? Là, tu vas m'appeler en disant ouais, t'es à côté. Là, là, là. Apparemment, le domino acier tranché est quelque part par mine. Là, là, là. Bah écoute, c'est bien pour lui, mais moi je sais pas comment monter là-dedans. Faut que je passe par là peut-être. Attends, il y a des trucs là. La zone numéro 3 est riche en minerais. C'est oublié. Aïe aïe aïe! Ah bah d'accord, ok, le mec carrément. Aucun respect. Ah ah! Tu es nul. Ça, je voulais faire. Par contre, je voulais faire ça, ça. Aller là-dedans, aller là-dedans. Charme, on s'en fout un peu. Voilà, comme ça au moins. Il va prendre acrobatie. Qu'est-ce que ça fait, acrobatie? Le lanceur frappe la cible avec une agilité. Il ne tient pas d'objet. L'attaque inflige davantage de dégâts. Ouais, mais c'est un type haut que j'ai. Voudrais faire quoi avec Flipper, veut oublier coup de boule. Allez vas-y, ça te fait plaisir Flipper. Ok. Trop de Pokémon là. Un Drabi.
Wesh mon ref. Il y a un... Il est où? On voit pas. Il va être là-haut, tu vas voir. T'es pas gentil. Il est où? Il est là. Je savais que je t'avais entendu. Oui, j'avais entendu encore un... Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ah, c'est un Pokémaniaque. Comment ça il évite l'attaque lui? Oh t'évites rien du tout le ref. Malade celui-là ou quoi? Il a du mal à attaquer, mon cul la balayette hein. Allez, dégage, on va lui faire ça dès le début. Il m'a saoulé! Et j'en entends un, j'en suis sûr que j'en entends un. Je sais pas où il est. Je l'entends. Ah, il est là. Comment je fais pour monter? Il y a une échelle, un truc? Non, même pas. Comment je fais pour monter? Sérieux, Michel? J'ai plus d'objets de soin. Dommage ça. Ah des Voltorb, enfin un Voltorb.
te veux dans mon équipe. D'accord. Ouais, c'est juste tout seul. Ça, je l'ai déjà. Allez Evan, t'as perdu, tu sors. Pareil, il est pas sûr, je crois. Calmer l'éléphant. Allez, viens dans mon équipe. Trop fort. Charlie Barry. Ah, c'est ça, tu pas sûr. J'adore le Pokédex en version cassette comme ça, je trouve ça trop stylé. Oh non, il m'a sauté dessus. Bah oui. Là tu me sautes dessus, je suis obligé de te tuer du coup. Merci madame.
Wow. J'adore le topiqueur qui se barre. Par là. Le méchant, il est par là. Ah oui. En effet, il est juste là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi ça? Encore parti? Ah non. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une locomotive avec des yeux. Ah, il a des bras maintenant. Avec des yeux et des bras. Fer de terre. Fer de terre, le dominant assiette. Où là, Michel? D'accord. Avec mes nouvelles chaussures et mon nouveau sac. Non, c'est pas mon nouveau sac, c'est l'ancien. Oh Michel, pourquoi t'es parti comme ça? Mais tu me saoules! Oh, je vais le frapper. Oh, ce tout petit trou là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien là, saleté! Sérieux ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Tout ça pour prendre la plante, c'est ça? Mange quelque chose!
par joindre nos forces. Oh. Terra cool. Ah oui, c'est Tentacool, mais terrestre. Terra cool. D'accord. En plus, ça rate son attaque, le Terra cool. Level 36. Oh oui, Crocodile évolue. Mesdames et messieurs, t'es un peu plus stylé comme ça quand même. Oh, t'as un truc sur la tête, Flamigator. T'as un petit compagnon avec toi, c'est trop chou. Ah, tu es Feu Spectre maintenant. Qu'est-ce qu'on va oublier? Champ canon. Oh, il est trop mignon. Et on va rentrer dans la grotte, on va aller chercher le truc. Et nanani, nanana, tu vas faire les sandwichs, je vais le donner à mon Pokémon. Le Pokémon, il va prendre encore une capacité. Et non, je parlais pas de toi. Et tu vas me raconter la suite de ton histoire. Il y a sûrement un peu de l'épice secrète là-dedans. Oui, c'est même sûr et certain, mon ref. Hey, let's go. Tiens, comme par hasard. J'adore son sac Pikachu par contre. Trouver des pistes secrètes. Pour la force musculaire. Non, parce qu'en fait tous les jours c'est lui qui nous nourrit. On prend son garni, allez hop hop hop. Le sandwich à la pepper. Un match dominant en bonus. Et on a bien sûr Miraidon qui va sortir de sa Pokéball. Lui, il va encore péter un câble. Ah non, cette fois, il a pensé à lui. Se mettre debout. Mon turbon. Ah
Ah bon, et pourquoi? D'après le livre, c'est une substance contenue dans ses épices qui le rend si grand et si fort. On aurait pu le deviner nous-mêmes, hein. On peut dire que cette grotte était un peu le garde-manger du Pokémon dominant. Ou ça, on le savait. Domingo, t'as fini de manger? Ta voix, t'as entendu, Valache? Oui, bah quoi? Bah, il fait waf. Moti. Miraidon semble avoir retrouvé l'un de ses pouvoirs d'origine. Il fait désormais sauter plus haut. Ok. Quand tu appuies sur le bouton B. Si vous appuyez brièvement sur le bouton B lorsque vous êtes sur une sur votre monture, celle-ci fera un petit saut. Tandis que si vous maintenez le bouton B appuyé, votre monture bondira plus haut. Merci. On va essayer ça tout de suite. Ah ouais, quand même. Comparé à là où il faisait juste ça. Ah ouais, quand même. Et là, du coup, je peux monter ça. Waouh.